Avoir une carte de paiement qui te permet lorsque tu vas faire un achat, eh bien de faire un don sans aucun effort. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter Kanbi. Il s'agit donc d'une néobanque française qui devient de plus en plus connue et qui propose sans donner un centime de plus, eh bien de l'argent à des associations. J'ai trouvé le concept super intéressant puisque tu vas aussi à la fois bénéficier de tous les avantages d'une banque mobile traditionnelle, que ce soit par exemple la possibilité de personnaliser son code PIN, modifier les plafonds, puis bien entendu on reçoit les notifications en temps réel, on peut bloquer aussi sa carte depuis l'application. Enfin, en tout cas, on a toutes ces fonctionnalités-là et c'est vrai que c'est un très bon point. Et la petite particularité, c'est que tu vas pouvoir reverser de l'argent à des associations sans aucun effort financier de ta part. De toute façon, nous allons voir tout ça aujourd'hui, que ce soit avec les caractéristiques, la présentation et bien entendu aussi avec la petite phase test. L'objectif de Kanbi est de proposer sur le marché un modèle bancaire différent, ici plus généreux et forcément plus engagé. C'est-à-dire qu'il s'agit de devenir un acteur du changement en faisant des dons à des associations. Et c'est vrai que j'ai été très curieux parce que je me suis dit, bah c'est super, on se retrouve avec toutes les fonctionnalités d'une banque mobile et à côté, on va pouvoir sans aucun effort financier et bien reverser de l'argent à des associations et en plus de ça de ton choix. C'est-à-dire pour te faire très simple parce que tu vas te poser la question et tu vas te dire bah comment ça fonctionne. En fait lorsque tu vas effectuer un achat avec ta carte de paiement Kanbi chez un commerçant, que ce soit physique ou bien entendu sur internet, et bien 0,05% de la transaction en question sera reversé en fait directement dans ta cagnotte de dons. Via l'application, tu vas pouvoir donc choisir eh bien l'association auquel tu aimerais à la fin du mois reverser eh bien ton argent. Sachant qu'aussi c'est vraiment bien parce que il y a un petit bonus lors de l'inscription de ton compte. Donc je te conseille vraiment de t'inscrire puisque tu vas avoir des petits bonus et tu pourras les reverser à une association. Donc franchement, ça aussi c'est un super point et ça me fait super plaisir de pouvoir te partager aujourd'hui eh bien cette néobanque française. Le lien bien entendu de leur site internet et de leur app est dans la description de cette vidéo et j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. Concernant le côté néobanque, l'inscription est simple et rapide, puis tu peux le faire tranquillement depuis chez toi et en plus de ça, ils ont fait une mise à jour et franchement, elle est super bien. J'adore l'application, très intuitive, il n'y a aucun souci avec ça, la charte graphique en plus, j'aime beaucoup et je trouve que vraiment, elle reste très simple et franchement, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, même le côté où on va pouvoir avoir accès à toutes ces associations-là, on s'y perd pas, on a les différents catégories, on a la petite cagnotte de dons, donc je trouve que c'est très clair et c'est quelque chose que je voulais préciser parce que vraiment ça, il se démarque aussi forcément des autres banques mobiles où on retrouve forcément la possibilité de modifier le plafond, le code PIN comme je t'ai dit, on va pouvoir bloquer bien entendu depuis l'application si jamais je l'ai en fait cette carte de paiement, si jamais tu la perds voilà en un clic là tu peux la bloquer, donc on va vraiment retrouver tout ça. La carte Kanbi s'appelle la carte Impact et il s'agit donc d'une carte de paiement débit Visa en PVC que tu vas pouvoir bien entendu utiliser partout dans le monde. Alors tu as 3 retraits gratuits dans le mois, donc là globalement c'est ce qu'on retrouve habituellement, pas de frais dans l'ouverture du compte ou bien dans les frais de tenue de compte, donc ça c'est vraiment bien, paiement dans toutes les devises aussi. On va aussi retrouver le paiement sans contact, donc ça aussi c'est une bonne chose, ainsi que le système de paiement sécurisé 3D Secure. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me pose souvent, voilà, est-ce qu'il y a le paiement sécurisé 3D Secure? Ici c'est le cas. Une protection des dépôts jusqu'à 100 000 €, il risque par la suite aussi de sortir des cartes de paiement premium. J'ai vraiment hâte de voir ça. Bon, en tout cas, c'est cool, Christo. On se retrouve donc ici avec une banque mobile française plutôt intéressante. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus eh bien, de ce système de dons? Et donc forcément à la fin du mois on va faire le cumul de tes 0,05% de toutes tes transactions et à la fin du mois là tu vas pouvoir reverser depuis ta cagnotte de dons et bien à des associations en question. Alors très important, tu vas pouvoir aussi depuis l'application, et c'est vraiment très bien fait, je vais te le montrer sur l'écran parce qu'en fait tu as vraiment énormément d'associations, tu vas pouvoir aussi regarder en fonction de ton éthique, en fonction de tes valeurs, voilà j'aimerais plus reverser ce mois là à cette association là etc. Et c'est ce que j'ai fait moi et franchement ça je trouve que c'est super bien parce que en fait il n'y a absolument rien qui change avec ce que tu fais habituellement. Tu vas faire tes dépenses avec ta carte de paiement Kanbi et en fait à chaque transaction 0,05% ira dans ta cagnotte de dons.
Un point très important, c'est qu'ils ont de plus en plus de commerçants partenaires. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je t'ai parlé de ce système de give back. C'est-à-dire que avec ta carte Canby, eh bien, partout, tu auras 0,05% de give back. Voilà. Ou qui sera automatiquement donc reversé à ta cagnotte de dons. Mais, important, eh bien, Canby, depuis l'application, tu vas voir, donc, il y aura des partenaires. Et ces partenaires-là peuvent aller jusqu'à 15% de give back. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à effectuer un achat chez un commerçant qui est partenaire que tu vas pouvoir retrouver donc depuis l'application Canby. Et ça peut monter jusqu'à 15% sur un achat de 100 euros. 15 euros seront directement reversés dans ta cagnotte de dons. C'est juste fou. Et en plus de ça, ça te demande aucun effort financier. Moi, je trouve que ce concept-là, bah, franchement, c'est super bien. Tu vas retrouver différentes causes, que ce soit l'environnement, la santé, la protection des animaux, l'humanitaire, le social, le développement économique, l'art culture, ainsi que l'éducation. Donc vraiment, il s'agit aussi d'un très bon point, puisque bah, cela va dépendre, bien entendu, de toi et des causes que tu souhaites aider. Enfin bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour la phase test, que ce soit un retrait à un distributeur et bien entendu, un paiement chez un commerçant. Eh bien c'est parti, nous allons donc retirer de l'argent. Donc ici c'est caisse d'épargne, ça marche bien entendu avec toutes les banques, avec la carte Canby. Bon eh bien c'est parti, hop, donc la carte est juste ici, comme d'habitude on l'insère. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir forcément, alors là on va mettre en français, et bien mettre le mot de passe que j'ai moi-même personnalisé depuis l'application. Donc que je vais mettre ici, choisir donc forcément le montant. Alors là ce qu'on va faire, on va faire un autre montant, on va demander 40 euros. Hop. Je ne vais pas demander de ticket. Donc là, hop, on récupère forcément la carte Canby. 40 euros, j'ai reçu aussi une notification en temps réel que je vais te faire afficher sur l'écran. Donc ici, hop, paiement sans contact avec la carte Canby. Il s'agit d'un petit pain au chocolat, on va voir si elle va passer. Ouais, nickel, super. Oui, s'il vous plaît, merci. Donc voilà, alors je vais recevoir donc la notification. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui cette banque mobile française qui se nomme Canby. Avec, bah déjà, je trouve vraiment une super bonne application. Forcément, la carte de paiement marche très bien. Mais c'est surtout aussi bah, cette fonctionnalité, ce petit plus à côté qui permet, bah, sans aucun effort financier, eh bien, de reverser de l'argent à des associations. Et j'adore ce concept, c'est vraiment bien. Ce système de give back, en plus de ça, ils ont de plus en plus de partenaires. Donc au final, c'est pas que 0,05%, parce que si tu passes par chez un de leurs partenaires, bah en fait tu peux monter jusqu'à 15% de give back pour une association. Et je trouve en tout cas que ça vaut vraiment le coup. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. C'est à dire que tu vas acheter ta baguette de pain, ou même moi par exemple dans, bah, dans l'exemple où j'ai acheté un pain au chocolat, bah en fait en achetant ton pain au chocolat, ce que j'ai fait, bah au final 0,05% de cette transaction là et eh bien sera reversé dans ma cagnotte de dons. Donc au final j'ai aussi acheter un pain au chocolat, bah, entre guillemets, pour la bonne cause. Donc petite information supplémentaire, c'est que Canby, ça veut dire donc forcément Can, B en anglais, donc C-A-N espace B-E, Canby. Et en fait, ça veut dire you can be the change. Voilà, c'est la citation de Gandhi qui dit en fait be the change you want to see in the world. Un autre point qui peut paraître important pour certaines personnes, c'est que forcément quand tu vas faire bah, des dons à une association, tu vas avoir ce qu'on appelle un reçu fiscal. Voilà, et ça peut être déductible aussi sur tes impôts. Voilà, c'est quelque chose aussi, forcément ça peut être un assez gros plus. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, je t'y répondrai avec grand plaisir. Boum, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.